Monsieur Portier. Bonjour. Directeur général d'Agritel, merci de me recevoir aujourd'hui pour préparer ces matinales du SPAS. Donc, pouvez-vous déjà vous présenter rapidement, vous, votre cabinet, ses missions et son fonctionnement? Alors déjà, j'aime bien dire que je suis agriculteur, c'est une première chose. Deuxièmement, donc, je suis le fondateur, directeur général d'Agritel, qui a été créé il y a une vingtaine d'années, sachant que Agritel, maintenant, est une marque. Mais d'un point de vue juridique, Agritel a rejoint le groupe Argus Media à Londres. Le groupe Argus Media, qui est un groupe qui donne des prix, un petit peu comme on parle d'Argus, même s'il n'y a pas de lien avec l'Argus de l'automobile, mais qui donne des prix sur toutes les matières premières. Et Argus Londres était essentiellement une société qui donnait des prix sur les matières premières énergétiques, mais n'était pas encore impliqué dans l'agriculture. Donc j'ai presque envie de dire, le fait de rejoindre Agritel et de s'intéresser au monde agricole, c'est assez prometteur pour le monde agricole. Très bien, merci beaucoup. Donc vous êtes spécialiste grâce à Agritel des marchés à terme. Est-ce que, donc des marchés à terme, des marchés des matières premières agricoles, et non comme vous nous l'avez dit, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots finalement le fonctionnement de ces marchés à terme qui sont un peu différents côté financier, beaucoup plus que des marchés physiques? Alors déjà, normalement, il faut faire une formation de 2 jours pour comprendre comment sont les marchés à terme. Alors si on fait ça en 2 minutes ou 3 minutes, on va essayer de faire ça de manière très très simple. On va prendre le marché à terme qui est aujourd'hui le plus liquide, ce qu'on appelle celui qui fonctionne le plus, le marché à terme du blé. Je vais vous donner un exemple. Un agriculteur, par exemple, comme moi, souhaite vendre du blé pour la récolte prochaine, la récolte 2023. J'appelle ma coopérative, mon négociant, j'appelle mon acheteur, il me dit pour 2023, aujourd'hui, je n'ai pas de prix à te proposer parce que je n'ai pas de contrat physique. Or, sur le marché à terme, qui est un marché financier, entre guillemets, on a des cotations jusque même 2024. Donc, en 2023, aujourd'hui, si je regarde pour la livraison récolte été prochain, on a un prix par exemple de 300 euros la tonne en blé. Ce prix est déterminé par acheteur et vendeur, hein. c'est un marché, mais un marché financier. Alors qui dit marché financier ne dit pas forcément marché spéculatif, hein. Donc aujourd'hui je sais par exemple que le blé sur le marché financier récolte 2023 vaut 300 euros tonne. Après, à quel prix je peux espérer moi avoir un prix physique? Il faut déduire de ce prix affiché sur le marché à terme ce qu'on appelle la base. Je vais vous donner un petit exemple sur mon exploitation agricole. Il faut compter 20 euros la tonne en moins du marché à terme pour obtenir un prix physique. C'est-à-dire si le marché à terme affiche 300 euros la tonne, je peux espérer 280 euros la tonne en tant qu'agriculteur. Or, sur le marché physique, j'ai personne pour m'acheter ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vendre du marché à terme à 300 euros la tonne sur Euronext, par exemple. Et puis, les prix vont évoluer. Alors, imaginez que les prix montent à 400 euros la tonne pour l'été prochain. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vendre mon blé sur le marché physique à 400, moins les fameux 20, c'est-à-dire 380. Malheureusement, je vais racheter ce que j'ai vendu sur le marché à terme à 300, je vais le racheter à 400. Je vais perdre, entre guillemets, 100 euros la tonne sur le marché financier, sur le marché à terme. Ces 100 euros tonnes, si je les déduis des 380 sur le marché physique que je vais avoir obtenu, j'aurais vendu à 280, ce qui était bien l'objectif que je m'étais fixé lorsque j'ai vendu ce marché à terme. En fait, c'est un marché de couverture. J'ai presque envie de dire, pour simplifier, parce que, comme je vous ai dit, il faut 2 jours de formation. Pour simplifier, c'est une assurance, grosso modo. Donc aujourd'hui, si je veux m'assurer sur une vente de la récolte 2023 et que je n'ai personne en face de moi sur le marché physique, je peux utiliser momentanément le marché à terme, le marché financier, pour m'assurer d'avoir un prix garanti de 280 euros la tonne. Voilà un tout petit peu la simplification. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Imaginez que j'espère 280 euros la tonne parce que j'ai vendu à 300 sur le marché à terme et que le prix s'écroule de 100 euros. Sur le marché physique, je serai payé 100 euros moins cher que ce que j'espérais, donc 280 moins 100, 180. Mais à l'inverse, je vais gagner 100 euros sur le marché à terme. Donc, je vais retrouver à nouveau mon fameux 280. Donc, c'est ce qu'on appelle un marché de couverture. C'est un marché qui vous permet,
Si ces fameux 20 euros la tonne restent stables, ce qu'on appelle la base, on verra tout à l'heure que la base peut bouger un petit peu. Donc, si ce marché à terme est efficient et que la base ne bouge pas trop, ça me permet aujourd'hui, alors que j'achète mon engrais, de sécuriser une marge pour l'année prochaine, au rendement près. Vous allez me dire, les rendements fluctuent beaucoup, mais cette fois-ci, on a des assurances récoltes. Si vous voulez, un petit peu, je comparerais ça un peu une assurance récolte à une assurance rendement, un marché à terme. D'accord. Si ce n'est que c'est une assurance prix, entre guillemets. Donc, grosso modo, pour qu'un marché à terme fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui ont un risque à la baisse des prix, comme le producteur, et des gens qui aient un risque à la hausse des prix, comme des acheteurs. Grosso modo, on met en face l'un de l'autre des gens qui ont des risques opposés, hein, un à la hausse, un à la baisse, et gros, ils s'arbitrent tous les deux sur le marché financier. Et maintenant, on va revenir un petit peu plus à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc cette guerre en Ukraine et les conséquences qu'il y a pu avoir. Donc, on a fait tout à l'heure un petit tour d'horizon de la crise des marchés provoquée justement par cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que les marchés à terme l'avaient prévu? Donc, ce n'est pas forcément leur rôle, mais est-ce qu'on avait pressenti des choses qui pouvait faire croire à cette guerre, et en quoi finalement cette crise est-elle différente de celle qu'on a pu connaître en 2011 ou même de celle d'avant? Alors un marché à terme, c'est un marché d'anticipation par définition, hein, puisqu'on essaye d'anticiper les prix sur des livraisons futures, comme j'ai dit, pour la récolte 2023, voire 2024, on peut commencer à trouver des prix. Alors est-ce qu'on avait prévu? Je veux dire, il y a eu des gens qui ont cru, des gens qui n'ont pas cru, etc. Puis il y a les faits. Évidemment, le jour de la déclaration de la guerre en Ukraine, le 24 février, donc 2022, on a eu les prix qui ont grimpé très fortement. Ils avaient commencé les prix à grimper un petit peu avant déjà, parce que avant ce déclenchement de la guerre en Ukraine, on avait déjà un déséquilibre au niveau mondial entre l'offre et la demande, qu'on estime de 20 millions de tonnes un petit peu sur le marché international. Parce que ce qui compte, c'est pas tant la production de chaque pays, c'est ce qui va être disponible sur la scène internationale. Et lorsqu'on regarde un petit peu, et je pense que vous l'avez évoqué, les récoltes en Russie vont être extrêmement importantes. On va faire des records en blé cette année. Mais ça n'empêche pas qu'on a du mal à mettre ce blé sur la scène internationale. Donc c'est un marché d'anticipation. Donc ceux qui y croyaient ont acheté, ceux qui n'y croyaient pas ont vendu. Et voilà un petit peu comment le marché, après, essaye de trouver un équilibre. Alors, la crise est différente de celle de la crise des subprimes qu'on a eue en 2008 ou de la crise en 2012. 2008, c'était une crise des subprimes, c'était une crise des marchés financiers au global. Hein. Si vous vous rappelez bien, c'est l'affaire Sherson-Lehman, la banque Sherson-Lehman qui a fait faillite et qui a entraîné dans son sillage une faillite générale, enfin, ou des difficultés très importantes de l'ensemble des marchés. Donc là, c'était plus une crise financière en 2008. En 2011-2012, on a eu la sécheresse en Russie. Donc là, c'était plutôt effectivement une crise, on va dire, de l'offre. Or, en 2022, la différence, c'est pas tant une crise de l'offre, autre chose, c'est une crise géopolitique. Et c'est là où l'analyse de marché est extrêmement compliquée, parce que la géopolitique, c'est quelque chose difficile à interpréter. Hein, vous imaginez bien qu'on a du mal à savoir ce que M. Poutine a en tête. J'imagine bien, en effet. D'accord, ok. Donc là, on voit bien la différence donc, entre cette crise ukrainienne et ce qui a pu se passer avant. Tout à fait. C'est finalement pas les mêmes ressorts à la base qui font qu'on a des conséquences diverses. Très bien. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé justement de la base entre marché à terme, marché physique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Comment évolue-t-elle? Et finalement aussi, si elle évolue, dans quel sens? Alors justement, la base, c'est la différence entre le prix du marché physique et le prix du marché à terme. Par exemple, sur le blé, comme j'ai pris comme exemple, le blé qui est coté sur Euronext, c'est du blé rendu Rouen, donc rendu à Rouen. Maintenant, la base, moi en tant qu'agriculteur, je suis à 1h30 de transport de Rouen, je vous ai dit grosso modo, j'ai 20 euros de base, donc il va falloir que je paye le transport, que je paye la marge de l'OS qui va travailler le grain avant de pouvoir l'expédier. Cette base, elle fluctue de plus en plus. On constate une très forte volatilité de la base, ce qui, entre guillemets, rend un tout petit peu moins efficient le marché à terme comme outil de couverture. Mais très, très clairement,
Si la base évoluait de quelques pourcents il y a 2 ans, sur un prix du blé qui valait 160-170 euros la tonne, aujourd'hui le prix du blé qui vaut 300 euros tonne, la base elle a augmenté aussi en pourcentage. Donc on a une volatilité sur la base qui est de plus en plus importante. Comment elle évolue aujourd'hui? Ben, si je prends à date d'aujourd'hui la différence entre le marché physique et le marché à terme, le marché physique cote pour de la livraison décembre, parce qu'après est-ce que c'est de la livraison septembre, décembre, mars, cote 10 euros de la tonne, le marché physique, au-dessus du marché à terme. Pourquoi? Parce que on a beaucoup d'acheteurs liés à la crise ukrainienne. Les acheteurs internationaux préfèrent se tourner vers l'origine européenne et l'origine France notamment. Donc il y a une grosse demande sur le marché physique et cette grosse demande sur le marché physique tend la base et donc on a des acheteurs qui sont prêts à payer plus cher que le marché à terme normalement. Donc cette base elle peut être positive ou négative. Hein. Donc on a des très fortes évolutions en fonction de la demande sur le marché international et donc c'est effectivement quelque chose qui vient à prendre en compte et qui vient contrarier peut-être entre guillemets l'efficacité du marché à terme. Et ce marché physique supérieur au marché à terme, est-ce que c'est quelque chose d'historique ou est-ce qu'on l'a déjà vu au cours des précédentes crises, au cours des précédentes années? Est-ce que c'est lié finalement à un climat d'insécurité et de crise ou alors est-ce que ça arrive aussi dans des moments alors, un peu plus normaux? Pour répondre à votre question, des bases positives et des bases négatives, mais on a rarement vu une ampleur aussi forte. D'accord, ok. Très clair. Merci beaucoup. Et alors, niveau perspective, est-ce que vous en avez? Comment ça va évoluer dans les prochaines années? Est-ce que la volatilité semble partie pour durer? Est-ce qu'elle va s'amoindrir? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, la seule chose dont on est sûr, c'est que la volatilité va être fortement présente. Pourquoi? Parce que un marché dépend de quoi? De l'offre et de la demande, du déséquilibre entre l'offre et la demande. Ça, c'est notre métier, on sait le mesurer. Enfin, on sait le mesurer, on arrive à suivre ça au jour le jour et avoir des chiffres assez précis. Maintenant, en agriculture, une spécificité, c'est le climat. Donc, plus le climat, j'ai envie de dire, est volatile et adverse, plus il y a des écarts entre l'offre et la demande. Donc, réchauffement climatique oblige, on est certain qu'on aura des écarts de température essentiellement à la hausse, beaucoup plus important, mais on aura aussi des écarts de température à la baisse relativement importants. Donc, j'ai envie de dire, on a une volatilité sur les températures, une volatilité forte sur la pluviométrie. On le voit très bien, quand il pleut maintenant, vous prenez 100 mm en l'espace d'une journée, et puis pendant 3 mois, vous n'avez pas une goutte d'eau. Donc, on a volatilité sur le climat, qui va induire de la volatilité sur les prix. Et puis, on a un facteur qui s'est installé malheureusement depuis quelques mois, c'est une volatilité sur la géopolitique. On parle de la guerre Russie-Ukraine. Il y a des tensions, vous le savez, sur Taïwan géopolitique entre la Chine et les États-Unis. La Chine est le premier pays importateur en soja, en maïs, et le principal fournisseur, ce sont les États-Unis. Donc, il suffit qu'il y ait une tension géopolitique entre la Chine et les États-Unis pour qu'on bouleverse les marchés aussi. Donc, si cette volatilité était contenu, j'ai envie de dire, il y a quelques années, de par le fait que ce qu'on appelle le driver, les éléments principaux de formation du prix étaient l'offre et la demande. Maintenant, viennent s'ajouter donc le climat, le risque climatique de plus en plus important et la géopolitique. Donc, la seule chose qu'on peut être certain, c'est que la volatilité va augmenter. Dans quel sens? Là, c'est beaucoup plus compliqué à dire puisque le prix dépend du climat, quel climat on va avoir cet hiver pour l'hémisphère nord, très compliqué. Pour l'instant, pour l'hémisphère sud, on s'attend plutôt à une bonne récolte. L'Australie, les conditions sont idéales, ils vont récolter au mois de décembre, les conditions sont idéales. En Argentine, on a un petit peu de sécheresse, donc on aura une récolte de blé un peu inférieure à l'an passé. Mais globalement, hémisphère sud, on devrait avoir une récolte correcte. On a de très fortes disponibilités donc en Russie, mais est-ce que ce blé va arriver à sortir de la Russie? C'est beaucoup plus compliqué à répondre. Donc aujourd'hui, on a des prix relativement élevés. On a 300 euros tonnes sur le marché à terme du blé pour la récolte 2023.
Une chose dont on est à peu près certain, c'est qu'on ne retrouvera pas avant plusieurs années les prix que l'on a connus il y a 3-4 ans, c'est-à-dire des prix inférieurs à 180 euros tonne. On ne pense pas. On pense, allez, si je m'aventure à une fourchette, j'aime pas trop ça, dire que les points d'achat pour nous sont autour de 270-280 euros tonne et des points de vente autour de 340-350 euros tonne. Et du coup, dans cette situation de crise, c'est ma dernière question, et de volatilité forte, les marchés à terme, pour vous, restent quand même des bons outils dans ces contextes de grand chamboulement? On en a besoin, on a besoin de se couvrir. Hein. Je pense qu'il est essentiel de se couvrir contre le climat, d'où l'histoire des assurances climatiques. Alors, ça coûte très cher, évidemment, mais ça coûte encore beaucoup plus cher lorsque vous avez un incident et que vous n'êtes pas assuré. Hein. Mm-hmm. C'est toujours pareil, on trouve que le prix de l'assurance est cher tant qu'on n'a pas d'incident et finalement on est bien content de l'avoir tant quand il y a un incident qui se produit. Donc très clairement, ces marchés à terme sont essentiels si on veut sécuriser ses marges pour le futur. Par exemple, ce qu'on conseille à les agriculteurs qui achètent leur fuel, qui achètent leurs engrais aujourd'hui, bah, c'est de commencer déjà à vendre en face leur blé, donc de le vendre sur le marché à terme pour se protéger. La variable qu'on ne connaît pas, c'est le rendement, malheureusement. On essaye quand même de réduire un petit peu le risque pris grâce au marché à terme. D'accord. Donc, toutes ces informations ne nous donnent pas quand même de perspectives très positives pour tout l'alimentation animale, finalement, avec quand même des prix d'aliments qui semblent vouloir rester hauts ces prochaines années. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très clair et très intéressant. Et maintenant, je vais redonner la parole à la présidente de séance pour la clôturer et passer au débat questions. Merci.